Nous, on offre une porte de sortie à Régis Labeaume dans le dossier du tramway. On lui dit, fais un référendum, va chercher l'appui de la population et par la suite, retourne voir les gouvernements pour obtenir ton financement. Le maire continue de dépenser des milliers de dollars d'argent public et de foncer tête baissée dans un projet qui n'est pas encore attaché, dont le financement n'est toujours pas confirmé. Et le maire, avant d'aller plus loin dans le projet, devrait avoir la légitimité, il devrait avoir un mandat clair de la population de Québec avant de continuer. La population n'est pas derrière lui, malgré le fait que le maire a dépensé des centaines de milliers de dollars pour faire la promotion de son projet de tramway. Lundi soir, au conseil de ville, nous allons déposer, formellement déposer, un avis de proposition pour demander un référendum au conseil municipal. La balle est maintenant dans le camp du maire de Québec. Moi, ce que je dis au maire, ce que je dis à M. Normand, ce que je dis à tous ceux et celles qui pensent que c'est un bon projet, vous avez peur de quoi? Pourquoi on ne va pas en référendum? Si c'est le cas, la population va dire oui au projet et le maire pourra retourner voir les gouvernements supérieurs. C'est une porte de sortie, là, c'est une chance unique qu'on lui offre de faire un référendum et d'aller chercher son financement. À lui de le faire, c'est lui le maire, ça devrait être lui le leader. C'est assez, là. Le maire de la Ville de Québec continue de dépenser, le financement n'est pas attaché. Puis en 2017, là, il va falloir le dire tout, va falloir le dire très fort, là. En 2017, il n'a pas fait de campagne électorale sur le tramway. Il l'a caché aux citoyens de la Ville de Québec. Puis ce projet-là, là, les citoyens n'ont pas pu se prononcer dessus. Et c'est un projet qui ne passe pas dans la population. Vous avez vu les sondages, on a sorti nous-mêmes, le Parti de Québec 21, c'est un projet qui est approuvé par la population environ à 30 %. Puis là, en 2017, il aurait pu profiter de la campagne électorale pour faire campagne là-dessus. Il ne l'a pas fait. Là, c'est assez. Le financement n'est pas attaché. Il faut qu'il mette un terme à ce projet-là.